ces âmes du liège en costume scaphandrier, car le mal apporté par l'opium sera moindre que celui des autres substances, et moindre que l'infirmité des essais de l'humanité. Le rythme de notre vie se déroule en périodes toutes pareilles, sauf qu'elles se présentent d'une manière qui les rend méconnaissables. L'événement piège ou la personne piège sont d'autant plus dangereux qu'ils relèvent pour leur propre compte de la même loi et portent sincèrement le masque. À la longue, la souffrance nous donne l'éveil et signale nombre de pièges. Mais à moins d'avoir pu vivre si vite, il faut accepter certains pièges pour les certitudes qui comportent des souffrances. Mais à moins d'avoir pu vivre sa pipe, il faut accepter sa confiance, la certitude qui comporte des souffrances. La sagesse de notre vie. Il y a chez l'homme une sorte de fixatif, c'est-à-dire de sentiment absurde et plus fort que la raison, qui lui laisse entendre que ses enfants qui jouent sont une race de nains, au lieu d'être des autres toits de là que je m'y mette. Vivre est une chute horizontale. Stop! Bordel! Clean it! Un ermite vit-il dans l'extase? Son inconfort devient le comble du confort. Il faut qu'il en sorte. Vivre est une chute horizontale. Sans ce fixatif, une vie parfaitement et continuellement consciente de sa vitesse. Non ! Non ! Ah ! My dear girls, you had some French lesson to make and the book of Cocteau to read. Have you read it? Yes, of course, of course. All of it? Cocteau? Cocteau. Who was Cocteau? Akt ślubu naszego, a to jest historia rodziny. Tu babcia, a tutaj na cztery wozy wieziono. Dziadek z Jagiełą przyjechać tu do tego kraju. Tu jest akt chrztu.